Salut à tous, c'est DDFO et on se retrouve pour l'épisode 8, tant attendu si je puis me permettre. Eh ben non, je ne... Enfin non, qu'est-ce que je dis? Bon, quand vous regarderez cette vidéo, ça sera obligatoirement samedi, parce que je pourrais pas le poster vendredi, le jour où le jeu pose. Parce que transformation, enfin bref. Donc, petit topo, même si vous êtes censé... Enfin, si vous regardez les vidéos 7, voilà. Donc en gros, on a été rappelé par Juni parce qu'elle a trouvé une piste pour le docteur Quinten. Et on va donc aller parler à son chauffeur de taxi interstellaire, pour récolter des informations où est-ce qu'il allait et où est-ce qu'il se trouve. Et donc il se trouve que je suis dans une station spatiale, un cuirassé, hein. Les cuirassés en fait... Cuirassés, ils peuvent servir donc de station spatiale. Je suis donc ici, et donc il faut que j'aille ici. Vous voyez, je pourrais même vous faire le petit chemin, et ça, c'est encore un peu spécial. Donc, regardez, je me suis fait une petite réserve d'argent. Hein. On sait jamais, non, je rigole, je connais le jeu par cœur. La réserve d'argent, c'est toujours bien. Voilà, l'argent, Freelancer, c'est une Alpha source, je suis 1.1. sûr. Ici, cuirassé Alors par effectif. contre, Tout est OK pour le encore une fois, décollage. je Bonne m'excuse chance à pour les tous. graphiques de merde. Mais en tout cas, Atterri. je vais bientôt changer d'ordinateur. Ce qui sera pas du luxe. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais me permettre avec mon budget. Juste espérer de ne pas retomber sur un ordinateur comme ça. Hein. Ou alors hein, un comme ça, mais en début de vie. Hein. En début de vie, il était parfait. Mais bon, donc... 20 km. On va pouvoir papoter 5 minutes. Oh. Pas que papoter. Donc, je vous ai fait la surprise. Ou alors, je sais pas si je vous ai déjà montré ce vaisseau. Je ne crois pas. Et ben, vous allez vous le découvrir en même... Oh, non, pas en même temps que moi, forcément. Ah, voilà. Mes copains. Donc, il est pas un peu malade, ce type. Donc vous voyez, ce vaisseau, il est déjà pas mal par rapport aux autres. Je déteste faire ça. Je déteste cet ordinateur. Ça va peut-être porter la poisse. Je vais monter les effets et puis c'est... Ah, basta. Alors je vais le buter et puis on ira. Ah, parce que je pourrais jamais finir freelancer avec YouTube avec un ordinateur pareil. Hein. Je vous dis pas, parce que quand les combats vont être à plus que 5, c'est bon, c'est mort quoi. Donc, on des corsaires, hein, on est dans une région de corsaires, c'est donc les meilleurs pirates du jeu. Bon, là, en l'occurrence, je vise très mal, parce que ben, je suis désolé, mais mon ordinateur ne me permet pas vraiment d'avoir les meilleures qualités. Bon, vous voyez, c'est stylé là. Ouh là là, dis donc, j'aimerais pas être contre eux là. Bon, c'est les forces armées, en gros c'est l'armée quoi. Et le cuirassé où j'étais, c'était le cuirassé de l'armée, forcément. Les cuirassés, ils n'appartiennent qu'à l'armée. Ou alors, exception faite de celui-là, qui appartient, enfin qui est tout cassé, et donc qui a été mis hors service, et dont le jeté là-bas, il a été investi par des pirates, des contrebandiers, voilà, racaille quoi. Et donc le pilote qu'on cherche se trouve donc sur ce cuirassé-là. D'autres choses à dire? Oui, voilà. Alors, pour ceux qui nous... Enfin, pour... voilà. Si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de mettre des j'aime. C'est la première fois que je le dis. Je n'aime pas le dire parce que je n'aime pas réclamer la faveur de quelqu'un. Mais c'est en fait, ça va m'aider... Enfin, ça va aider la chaîne à se faire un peu plus connaître, quoi, de se faire plus connaître. Avec des j'aime, ça va faire un peu de pub supplémentaire, et donc d'autres personnes pourront découvrir mes vidéos, qui sont, il me semble, les seules vidéos de freelancers en français qui montrent l'histoire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait je suis le seul à faire ce concept de vidéo sur Freelancer. J'étais surpris parce que le jeu, il est sorti il y a un moment, il a fait un super succès. Et je pensais que ça avait été déjà fait, et ben non en fait. Donc si je fais ces vidéos, c'est parce que j'aime ce jeu, je l'adore,
et que je suis un bon joueur, hein, comme vous avez pu le constater, et qu'en plus, j'ai eu l'heureuse surprise de voir que je détiens le monopole du marché, disons. Le marché qui est donc inexistant, j'aurais dû faire ça avant. Mais avant, bon, voilà. Donc, voilà. Et on n'est pas très loin du... Enfin, pas très loin. On est à 1 km. Et je sais même pas pourquoi je prends mon... Bien compris. Votre demande d'arrimage est acceptée. Continue. Oh, c'est pas vrai, ça. Je m'excuse encore. Normalement, avec mon ordre... Non, c'est pas ça. Manœuvre d'arrimage. Normalement, avec mon nouvel ordinateur... Je fais peut-être des choses fausses, hein, mais je devrais pouvoir jouer à stat maximum. Donc vous aurez la meilleure qualité que ça. Hein. C'est parce que les réalismes, enfin, les graphismes y sont pas mal. J'avoue qu'il y a mieux, mais c'est mieux que ça, quoi. Bon, voilà, on va aller parler à... Je vais réparer les trucs que j'ai trouvés. Ouh là là, c'est un fail. Je viens de ressortir. Je me suis planté de bouton. Bonne chance à tous. C'est chouette. Eh ben, c'est un fail. Que dire de plus? Votre demande d'arrimage est acceptée. Continuez la manœuvre. D'arrimage 1. Ah, regardez, il a une veste polaire. Bon, voilà, j'espère que je vais pas faire ce fail 3 fois de suite. Miracle. Donc, c'est quand même la première fois que ça m'arrive. Me planter comme ça. Et parfois, ça peut être fatal, hein. Généralement il y a tiens, je découvre des choses, ça c'est nul, enfin, c'est bien mais c'est juste tout pile ça. Ah d'accord, je me suis dit tiens, une nouvelle arme, c'est un drôle de nom. Bah non, en fait c'est nul. Missile, je vends ça, je vends ça, ça. Il me donne un autre truc, c'est la voilà. Ensuite nouvelle, hein. Je sais pas si enfin ouais. Et ben je suis désolé, mais en faisant les missions pour gagner de l'argent, j'ai pris des risques énormes parce qu'ici ils payent très bien, mais c'est hyper risqué et je suis allé trop loin. Je suis mort pour la première fois. Non, pas pour la première fois de tout jeu, mais pour la première fois dans cette session depuis que j'ai commencé à tourner. Dexter Ovis, vous l'avez vu? Ils aiment les courses, hein, ici. C'est vous, Dexter Ovis? C'est moi. Je suis un ami de Quinten. Je crois savoir que vous travaillez pour lui de temps en temps. J'ai un... Vous savez, j'adorerais discuter toute la journée avec vous, ami de Bretonnia, mais je ne cause qu'aux pilotes de course. Mais bien sûr, si vous êtes un pilote et que vous cherchez un adversaire, je suis votre homme. Dans ce cas, on pourra causer toute la journée. Si vous survivez, bien sûr. C'est pas tous les jours que je trouve un pilote qui ose me défier. Qu'en dites-vous, le novice? Bon, alors on va devoir gagner le battre, une course. Je marche. Bien, on se retrouve dehors. Alors, c'est là que je vais vous donner un conseil. Parce que, voilà, c'est un conseil, je vais dire, c'est du vécu. Ça veut dire, en fait, ce conseil, j'ai testé le fait de ne pas l'appliquer. Parce que, en fait, c'est une course, donc je dis beaucoup, en fait. Je sais pas, c'est le jour des en fait. La fête des en fait. Je rigole. En réalité, voilà, j'ai trouvé une variante. En réalité, si vous prenez un cargo, vous pouvez pas gagner. Un cargo, c'est pas maniable, et c'est... Enfin bon, à vitesse de croisière, c'est la même vitesse, mais il me semble que ça prend plus de temps pour y arriver. Et la course, ça se fait avec les moteurs de croisière. Donc, je vous conseille, par exemple, ce vaisseau. C'est le vaisseau de l'armée, c'est un Quasarder. Je vous... Ah, mais non, mais là, c'est un truc de la police. C'est de la merde. Alors, voilà, ça, c'est le mien. Un Quasarder, chasseur lourd. Vous pouvez le trouver dans les cuirassiers, il me semble. Peut-être sur Nouveau-Londres, mais je suis pas sûr parce qu'ils vendent des cavaliers. Ça, vous achetez pas. Je vous... Allez, je vais vous dire, je vous interdis d'acheter cette merde. C'est le vaisseau de la police. Alors que ça, c'est le vaisseau de l'armée. Bon, là, vous voyez, ça a le même prix, mais là, c'est parce que ça a perdu de sa valeur de début, vu que je m'en suis servi. Encore, ça devrait être l'inverse. Oh, le grand Dédé Faux s'en est servi, mais ça vaut au moins 3 millions. Bah non, ils sont radins. Voilà, donc je vous conseille un vaisseau comme ça, ou alors encore le vaisseau de l'armée de Liberty, je le gardais avant, mais maintenant en fait ce vaisseau il est mieux. Donc je vous conseille ce vaisseau,
Hein. C'est aussi pour ça que je fais cette ces vidéos, pour vous donner les petites astuces, les vaisseaux qu'il faut avoir au moment. Voilà. Nous avons un challenger, il s'appelle Trent et il affronte notre cher Dexter Abyss. Faites manger, on se dépêche. Je commençais à croire que vous aviez peur. Cette mise rapportera... Sûrement pas, je vais vous battre, voilà tout. J'aime votre attitude, le Bretonien. Je serai triste quand vous mourrez. Mais bon, on est fair play ou on ne l'est pas. Je vais vous surprendre, Viss. On va vite le savoir, non? Bienvenue aux coureurs. Vous avez choisi une course à un tour. Souhaitez-vous un rappel des règles? Bien sûr que non, machine débile. J'ai construit ce truc, mais c'est banque de données son naze. Les règles sont simples, l'ami. Un tour, pas de tir ou de saut. Et si vous vous dégonflez pendant la course, je me fâche. Et vous pourriez le regretter. Compris? Coureur, à vos marques! Bon, avouez, je suis un peu stressé. J'ai jamais aimé les courses. Dans aucun jeu. Sauf peut-être dans Mario Kart. Là, c'est sympa. Mais là, je m'étale. Voilà, alors, vous voyez, là, c'est un petit peu un truc avant le go. Je vous conseille d'avoir les tout. La main gauche sur le mage et le W. C'est la raccourci. Donc, je pense que vous avez eu le temps de lire. Au pire, vous faites pause. Hein. Voilà. Prêt, 3, 2, 1. Oh là, j'ai raté mon départ. Voilà, alors regardez. Le but en fait, c'est de passer dans les portes de course. Donc pas besoin de faire des atteintes avec le moteur de truc. Vous y allez à la main parce que sinon vous êtes mort. Parce qu'à chaque fois que ça arrive au truc, ça va s'arrêter. Donc vous essayez de pas louper de porte, sinon c'est fichu quoi. Donc en fait la difficulté elle est moyenne. Vous vous occupez vous... Il faudrait peut-être que j'essaye de speeder. Donc vous ne touchez à rien en fait. Vous y allez à la souris. Là je crois que je suis en train de perdre un peu. Si. Ah, je commence à le dépasser. Oula. Ovis est en tête à la mi-course. Eh, méchant. Bon, normalement, il a été programmé pour perdre. Hein. Mais il a pas non plus été programmé pour se laisser faire. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a la lumière qui nous aveugle. Même ma grand-mère irait plus vite, l'ami. Bah, il s'insulte en même temps, voilà. Ouh. Merde, donnez-lui de quoi chanter. Alors là, vous laissez tomber, en fait, il est en train de tricher. Vous continuez, vous foncez, vous vous arrêtez pas. Parce que ils savent pas viser les trucs, voilà. Merde, le Bretonien a pas mal. Cessez le feu, les gars. Prêt. Chouette. Sans rancune, hein. D'accord. Fais-moi voir ce ticket. Ok, je vais vous dire ce que vous cherchez. Mais pas sur le canal com. Retrouvez-moi sur le pont du Hood. Et voilà, j'ai gagné, donc j'avais pas trop de soucis à me faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait de trucage. Donc je vous rappelle que je joue sans aucun cheat, sans aucun mod, juste avec un PC de merde. Ah. Je rigole. Enfin... Ouais. Ok mon gars, allez-y. Bon bah voilà, alors le conseil que je vous dis, c'est qu'il faut... C'est que vous devez avoir un sans faute. Voilà, c'est le sans faute. Le sans faute, vous le battez. Si vous vous loupez à une porte, vous avez aucune chance. Une bien belle course, l'ami. Il y avait longtemps qu'on ne m'avait battu. Parlez-moi donc de Quinten. Il est ici? Ici? Non. Il a pris contact avec moi pour que je l'emmène au plus profond du champ d'astéroïdes dans la station minière de Glorious. Il s'y est terré avec les pirates qui y vivent. Il m'a dit qu'il avait besoin de disparaître un moment. Bien entendu, je ne vous en ai jamais parlé. Bien entendu. Et comment puis-je aller là-bas? Prenez la vieille voie commerciale jusqu'au champ d'astéroïdes. Mais faites gaffe, il arrive parfois qu'un astéroïde passe le champ de force. Et attention aux gars de la Rhénanie qui sont partis par là. Ils n'avaient pas l'air commodes. Ils ont couru? Eux? Non. Trop trouillard. Hé, l'ami, si ça ne marche pas, revenez ici, on se fera des courses du tonnerre! Bon, vous voyez un peu le type, hein. C'est le genre qui parie sur les courses, mais voilà. Donc on a ce qu'on voulait chercher, je vais faire un petit enregistrement en YouTube 2 au cas où la vidéo foire. Ça fonctionne, parce que sinon YouTube 2, voilà.
enregistré la partie. Je vous conseille franchement de faire un enregistrement. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont nommé, mais Ovis a disparu. Vous allez comprendre. Enfin...